avez sûrement déjà entendu parler de comment on perd nos os, donc quand on est enceinte, là, quand on approche de la fin de grossesse. Et c'est sûr qu'il y a des choses à savoir par rapport à ça, dont que c'est pas la majorité des femmes qui perdent leurs os là, avant de se rendre à l'hôpital. Donc ça, souvent, on pense que c'est comme ça qu'on va se rendre compte que notre travail est débuté, mais non. C'est pas la majorité des femmes qui les perdent et ça fait pas toujours non plus un gros splouche par terre comme si on vidait une casserole d'eau là sur le sol comme dans les films. Alors je vais vous en parler un petit peu puis je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'on doit faire quand ça vous arrive. Alors, statistiquement, environ seulement une femme sur 10 perd ses os naturellement. Donc, c'est son signe là, de début de travail. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est environ 10% des femmes seulement. Alors, inquiétez-vous pas si vous, ça s'est pas présenté comme ça, ça se peut. Et comment ça fonctionne, c'est que votre bébé, il est vraiment dans votre utérus, il est dans le liquide amniotique et il est recouvert par une poche qui le protège là, durant toute la grossesse. Puis cette poche-là est faite de deux petites membranes. Alors, vers la fin de la grossesse, souvent là, avec la pression du bébé puis avec l'arrivée du terme aussi.